4h30 du matin, moi. Ça, c'est me laver, m'apprêter. Puis après, je vais faire les courses. Donc, je vais chercher les pêches, je prépare le déjeuner. Je vais avoir 70 ans dans 3 mois. Avant, je travaillais à la ville. Et il y a 20 ans, je suis arrivée au Sporting comme concierge. Je m'entends bien, les dirigeants sont gentils. Je suis un petit peu la patronne, si on veut. Je dirige un petit peu tout, quoi. Et nous voilà à la maison. C'est la diététicienne qui veut ça. Un jour des œufs, un jour du saumon. Nadine, tu peux avoir une omelette bien à s'il te plaît? Un câlin. Ça va, mon chéri? Ça va être ça va. Bonjour Nadine. Ça va, Chicho? Comment tu vas? Ça va. Bien? Ça va. Nous autres, ça fait des années qu'on se connaît, alors c'est Chicho, Chicholina, souvent. Quand, voilà. Quand on est fâché, non, alors on se dit Nadine et Mario. Nadine, elle souffle le chaud, le froid, elle est un peu le baromètre du club, elle est à l'ouverture, à la fermeture, et le moindre petit problème, ben, on appelle Nadine. Le bon œufs. Le bon œufs. Ça va Nadine? Ça va Lolo. Ça fait quoi d'être une star? Ça fait quoi d'être une star? Dis, ton frère, il a perdu hier. Qu'est-ce que c'est de ça maintenant? On a l'habitude de perdre. Il a encaissé? Oh, trois gourdes. Ok. Il a réussi à le tourner, là. Lui, tu ne l'entends jamais, lui non plus. Là, les autres. Mais là, oui, hein. Et ils sont calmes. Ah, comme ça, il n'y en a qu'un Charleroi. Hein. C'est vraiment quelqu'un d'attachant. Et, mais qui sait nous remettre à notre place quand il faut. Ça va, Lolo? T'as plus besoin de rien? Non, ça va, Nadine, merci. Passé? Ça va, tout va bien. Meiji? C'est tous mes petits gamins. Voilà. C'est tous. C'est comme si j'étais leur grand-mère, leur nounou, je sais pas comment ce qu'ils m'appellent. Hein. J'ai dit que de toute façon, je ne m'attachais plus à personne. Parce que je me suis attachée à un, je ne dis plus jamais. Et il ne m'avait pas dit qu'il partait, il m'a dit ça 2 jours avant. J'ai dit c'est fini, je ne m'attacherai plus à personne. J'aime bien tout ce que je fais. Je ne vais pas dire que c'est une drogue, mais j'ai besoin d'être toujours occupée. C'est une cure de jouvence, si vous voulez. Voilà. Le jardinier, je vois qu'il a déjà tondu, il a fini, il est reparti. J'adore le foot. Ouais, oui. Mm-hmm. Depuis toujours? Non, depuis que je suis ici. Parce qu'avant, j'avais mon époux, il était pour l'Olympique. Donc c'est ici à côté, ça. Et je disais toujours comment est-il possible d'aller voir un match. C'est pas possible de regarder sauter sur un ballon. Et après, quand je suis arrivée ici, moi, j'ai carrément été dans l'ambiance tout de suite, et voilà. Moi, c'est 100% pour le Sporting. Moi, j'ai pas peur de le dire. Voilà. Oh, j'en ai bien. J'ai jamais parti, moi, de Charleroi. Moi, je préfère rester chez moi. C'est une vraie Carolo. Je suis née près de la prison, à Jamiole. Donc, c'est mon environnement, quoi. Une grosse poule a pondu en un rien de temps. On va leur montrer comment c'est qu'ils doivent diriger le match. Ça, c'est le coach qui fait ça, c'est pas moi. Hein. On peut bien? On peut bien fermer? Allez, d'abord. En avant. On va fermer. J'ai fermé à clé parce qu'autrement, les gens qui montent au business, ils ouvrent la porte. Donc, on dérange chaque fois. Et après, je viens les libérer. Ils m'appellent et je viens les libérer. S'il y a un pétard qui arrive sur le terrain, c'est un fumigène, vous repartez directement au point de corner. Bonjour Abraham. Salut les petits gars. Oh, c'est des grands aujourd'hui que tu m'as apporté. Oui. C'est plus grand que moi, toi. Quel âge que tu as? 14. C'est pas normal, toi. Allez, qu'est-ce que je te donne? Merci. Merci. Je les aime bien. J'aime bien quand j'ai tous les jeunes. Et en hiver, je leur fais du cacao pour avoir bien chaud, parce qu'ils font le tour du terrain avec les ballons, hein. Ils restent à la porte. Hé, les petits loups! Attention, hein! C'est faux, hein! Mais tu n'as plus à manger. Il faut qu'ils gagnent, il vaut 3 points. Autrement, ça ne va pas. On perd.
passe là. Là j'arrive, j'ai mon verre de champagne. Ici on est dans la loge du président. Et ici tout le personnel après le match peut venir manger. Ça va tout le monde? Et toi, comment ça va? Je suis fatiguée, ma Nadine. Comme d'habitude. Il y a toujours une complicité. J'ai toujours bien entendu, avec lui et son frère aussi seulement, tous les deux. Ils ont toujours été tous les deux dans mon cœur. Ah, c'est ma nounou, Nadine. On passe presque plus de temps finalement entre nous qu'avec avec nos familles respectives. On passe plus de temps. Et donc, forcément, quand il y a quelqu'un comme Nadine qui est un petit peu une figure maternelle pour tout le monde, bah forcément ça crée des liens. Moi, je veux pas partager ma Nadine. Sortez d'ici parce que je vais fermer. Descends. C'est pas un club comme les autres. C'est ma famille, si on peut dire. Ouais. Moi, j'ai pas peur de le dire, c'est ma vie.